pas ça, c'est une collaboration de toute l'équipe. That movement and art and culture are things that can bring people together rather than divide. Alors, le mouvement, l'art et la culture, c'est les trois éléments qui vont ramener les gens ensemble. So you have Adele, you have Raouf. It's a tough question. You have Farid, you have Mustache. I'm very impressed with the fresh. Je suis très impressionné par les danses folkloriques et le mouvement des corps. Alors, je pensais que c'était plus important de commencer avec les éléments, like the drum. Comme les éléments traditionnels comme les tam-tams, les tambours, oui. And also to show the importance of the woman. Et aussi pour montrer l'importance de la femme. Et ce n'est certainement pas le seul message que les artistes algériens et américains veulent transmettre ensemble. Music, dance, love, peace, unity, respect, and having fun. Salam alaikum. Voilà, et puis on dit tout de suite, alayk assalam, Dominique Stockman, c'est ça. Bonjour, good morning. Good morning. Ça va, vous allez bien, ici en Algérie? How are you? I'm fine. Et voilà. Très bien, très bien. Vous nous a rejoint donc le reste du groupe Few Collective avec Jonathan Sinclair, good morning. Hey, good morning. Voilà, et puis Monsieur Hassan Qassi Issa, qui lui aussi fait partie donc, de cette belle aventure. Il représente l'ONCI, c'est ça? Vous êtes danseur du ballet. Je représente l'Office national de la culture et de l'information. Je représente très exactement la troupe du ballet. Très bien. Puis on vous a vu tous à l'œuvre. Ça fait plaisir de voir cette belle cohésion, en tout cas avec les danseurs. Une belle amitié qui s'est nouée, en tout cas. On l'a tout de suite remarqué. Une belle amitié qu'on retrouve, en tout cas, sur ce plateau. Une belle ambiance. Parlez-nous un petit peu de cette rencontre. Tout d'abord, il faut remercier les responsables et les dirigeants qui ont fait que ce master class se fasse, déjà. Alors, on remercie l'ambassade des États-Unis, on remercie nos responsables de l'Office national de la culture et de l'information. Il ne faut pas oublier que c'est notre deuxième expérience en échange culturel. Mais ce qui est bien cette fois-ci avec le groupe FIO Collectif, c'est qu'ils nous ont permis d'être nous-mêmes sur scène et de faire ce qu'on voulait. Ce qui veut dire qu'ils ne nous ont pas imposé un genre musical ou des mouvements précis ou ça. Au contraire, il y avait un échange très très bien, ça s'est passé dans une très bonne ambiance. Et honnêtement, moi je me suis vraiment amusé d'ailleurs à me rappeler, ça me donne envie de rire, c'est pour ça. Et encore une fois, je les remercie. Et ça sera donc le bouquet final ce soir sur scène, et puis vous allez partir à Oran aussi. Pour Oran, je ne sais pas, pour aujourd'hui, oui, ça se fera à 18h et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Parce que c'est vraiment beau, il faut venir voir ce qu'il y a eu confusion. Très bien, très bien. On va poser la question justement à Dominique qui va nous livrer ses impressions. What are your impressions about the master classes? It's just been a beautiful experience and I've enjoyed learning another culture's process as well as showing them our process so that we can all build something beautiful together. And it was just a learning experience for me. Alors, ça a été une très belle expérience pour moi, tout cet échange d'idées et de savoir entre nous et le groupe de ballet de l'ONCI. Alors, à vous, Jonathan Sinclair, qui vient pour la première fois aussi en Algérie. Alors, rencontrer d'autres artistes. So, it is your first visit to Algeria, and what is your impression about meeting the artists? Wow. Well, having the National Ballet, I expected ballet dancers, you know, like doing pliés. And many of the dancers are very, very talented acrobats, very talented hip-hop dancers and in various styles. I was so surprised and excited to work with such an awesome company with such a diverse skill set. Mm-hmm. So I'm really, really
I'm speechless. Au début, je pensais qu'on allait travailler avec un groupe, un ballet, qui est un ballet classique, oui. Généralement. Mais une fois sur place, j'étais vraiment étonnée de voir tous ces Algériens, ces jeunes Algériens qui font tout ce genre de, tous ces styles de danse folklorique, le ballet classique, des acrobaties étonnantes. Je suis vraiment étonnée. Voilà, et ça permet encore une fois d'apporter, de donner un véritable échange pour ces artistes venus d'ailleurs. So this is a very interesting thing and it's a, an exchange of ideas between the two art groups. Yes, definitely. Voilà. Yeah. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté aussi de rencontrer le groupe Harmonica, puisque vous avez travaillé avec ce groupe? What about your meeting with the Harmonica group, the indie group of singers? You know, I've always wanted to perform with a band, and you know, it's funny we can't speak the language, but the music, our souls can communicate, and that was like an amazing experience, and I love working with the band. I look forward to working with them again in the future. J'ai toujours aimé travailler avec des musiciens, des groupes de différents groupes de musiciens. C'est vrai qu'on comprend pas les mots de la musique, mais vraiment il y a cet esprit qui nous rassemble entre les musiciens. Alors, encore une fois, ils repartiront avec la tête pleine de souvenirs, de musique aussi, et de styles de musique algérienne. Encore une fois, ils vont découvrir cette musique Gnaoui, Tindi et plein d'autres influences. So you will leave Algeria with a head full of ideas, experiences and other styles of music. Yes. Oh yes. Oui. Eh bien, c'est parfait. Exactement. Ça nous fait plaisir. Alors, Hassan, vous qui vous connaissez très bien le hip-hop et tout le genre musical américain, plus de surprises, qu'est-ce que vous avez pu découvrir en vrai avec eux? Honnêtement, oui. Qu'on avait un très bon niveau. Très bien. Ça, c'est très important, non? Parce que quand on vous ramène tout un groupe des États-Unis, mm-hmm. avec le DJ, le MC, les danseurs, honnêtement, moi au début, j'avais la trouille parce qu'il ne faut pas oublier que le hip-hop a été créé là-bas et c'est les fondateurs. C'est vrai. Ce qui veut dire que nous, on donne des fois référence à eux, c'est pour ça. Mm-hmm. Alors, on s'entendait vraiment à Mais cette musique et cette danse, cette influence musicale, c'est très bien exporté, c'est très bien voyagé à travers les frontières, les différents pays. Et aujourd'hui, tout le monde a emprunté ce style. Oui, c'est sûr. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir d'autres expériences et de comprendre mieux les shows américains. Mm-hmm. Parce que faut pas oublier qu'en Algérie, on ne fait pas beaucoup de shows hip-hop, ni de musique, ni, c'est vraiment rare. Mm-hmm. Mais cette fois-ci, on s'est vraiment éclaté. C'est ça le plus important. Voilà, c'est extraordinaire. Ce en tout cas, ça continue. Et puis, on a eu de belles expériences avec des artistes algériens qui ont travaillé avec différentes compagnies étrangères, compagnies de danse. Encore une fois, c'est un bel exemple. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Thank you for coming. Voilà. Oh, thank you for having us. Voilà, merci beaucoup Hassan, bon courage à vous. Merci. Et puis on remercie aussi Fatma Zohra Swidi qui est chargée merci des affaires. Merci de l'assistante aux affaires publiques. Et je voilà. veux, si possible, juste rajouter oui. que les Few Collectives, ils vont animer le spectacle soir. Demain ce soir avec le groupe Harmonica et le groupe de rap Morphine 16 d'Alger aussi. Tout à fait. Soyez nombreux. Voilà, soyez nombreux. À quelle heure? À 18h, Salle Mougar. Très bien. Et puis j'espère qu'il y en aura de belles, en tout cas des rencontres. Et oui. puis bon retour aux États-Unis. Have on remercie. Voilà. Thank et you. Puis on dit merci à tout le reste du groupe. Et puis Marissa Scott, bien sûr, qu'on a laissé repartir en coulisses. Merci beaucoup d'être venue. Thank you.